vers vous pour la suite en fait de l'apprenti, l'épisode 4 en fait de cette quête qui mène nos deux enfants au milieu de nombreux périls. Nous sommes au milieu de justement cette sorte de prairie boueuse dans laquelle nous allons devoir malheureusement franchir des obstacles pleins de rats. Ah, on va se faire dévorer. Au secours. Non, 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 courez. Ah, trop tard. Non. Ah, c'est pas joli. Amicia est morte. Ce n'est pas du tout ce que nous voulions faire. Il nous faut de la lumière. Ah, voilà. Ok, ferme de Laurentius. Donc, nous revenons au tout début. Attendre. Bouge pas, je reviens. D'accord. Ouais, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Suis-moi, Restez, ouais, j'arrive. restez quand même groupés, les Ah, enfants. ça rentre dans mes chaussures. Oh, c'est pas vrai. C'est vraiment maléfique, hein. Calme-toi. C'est bon. Ils peuvent pas nous atteindre. Allez, on continue. Ok, il y a un truc, nous devons quand même nous précipiter vers cette zone là-bas. Allez les enfants. Il nous faut du feu, mais je ne peux pas en avoir ici. Ah non! Ah vilain. Alors, du feu, du feu. C'est quand même une énigme, hein, les amis. Nous avons très très peu d'options. Il nous faudrait quand même courir vers une zone de feu. Est-ce qu'ici... Alors attendez, là nous sommes en sécurité. Moi je veux bien courir, mais je n'ai pas beaucoup de possibilités. Là-bas, c'est compromis. Ici... visiblement ne peut pas non plus. Pour l'instant, il ne s'intéresse pas à nous. Là, je ne peux pas y aller. Est-ce que c'est une question de rapidité? Il y a de fortes chances. Alors, s'ils viennent vers moi et que je suis... Bon, je vais retenter, écoutez. Allez, les enfants. Oui. Alors, ce n'est pas gagné encore, hein. Ouf. Mais quelle horrible bestiole. C'était juste. Alors, on n'y est pas encore, hein. Par cette Là. boue, on passera pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, je suis à l'abri hein, pour l'instant. Oui, les rats, vous êtes immondes. Alors, j'ai récolté une pierre, il doit y avoir une raison, je ne sais pas exactement. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux lancer quelque chose là-bas? Non. Il doit y avoir une possibilité de faire quelque chose, voyons voir. Ici. Non! Vous n'allez pas me dévorer! Horrible bestiole! Qu'est-ce que je peux faire là? Ah oui, il y a une chaîne! Elle a l'air prête à lâcher. Mort! Dieu! Passer. Moi, ils ont été massacrés. C'est sans doute par horrible. l'Inquisition. J'ai envie de vomir. Oui, tu n'es pas le seul, mon cher Hugo. Allez, les enfants, hop. Alors,
Ici, nous allons pouvoir prendre du feu. Là-bas, ça ne sert à rien. Alors, attendez, on va prendre ça. Où est la zone de danger? Là. Hein. Là. Ouais, les bestioles, vous êtes gentils, mais... allez. Oui, allez. C'est horrible. Je ne sais pas si c'est la bonne décision, mais... Vite, 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 on va manquer de feu. Pitié, 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 vite. Ok. Alors. Oh là 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 là. Allez, encore une fois. Oui, sauf que on va éviter la boue. Enfin, espérons que qu'on arrive suffisamment tôt auprès de cela. Là-bas, je ne peux pas y aller. Je n'ai pas de brandy. Attendez, il y a quelque chose. Ah. Aide-moi à pousser. Oui, ok. Oui, j'espère qu'on va pousser d'une manière un peu plus intelligente que... Non. On y est presque. Pas du tout, vous êtes en train... Pourquoi ils ont tué les cochons? Peut-être pour contenir les rats ici. Non, je n'arrive pas. Ces commandes ne sont pas vraiment faciles. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on pourrait pousser droit, les enfants? Est-ce que ça va aller? Allez. Ne dites pas que vous allez lâcher, hein. Oh là 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 là. C'est... très, très lourd. Je... Ne lâchez pas. C'est un peu difficile pour un petit garçon, effectivement. Allez. Là, 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 là. On y est presque. On l'a fait. Oui, sauf que maintenant, ce truc là obstrue le passage. Voilà. Prudence. Atteindre la ferme. Ok, nous y sommes arrivés. Trouver Laurentius. Alors, explorons. J'espère qu'il n'y a pas de vilains qui vont nous empêcher de passer. On va quand même explorer, hein, les amis. Je vais quand même, par acquis de conscience, voir s'il y a des choses. Ah, oui. Ah, les recoins, les recoins. Quoi s'agit-il? Un coffre. Avec des ressources. Cuir, voilà, super. Alors peut-être prochainement nous pourrons améliorer notre équipement. Oui, ok, ça sert à rien ça. Rien bien vide. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vide. Ah. Le cheval. Les rats ont dû passer par là. Encore un coffre. Super. Alors, il y a des ressources. J'espère que nous trouverons un établi prochainement. Ah, on peut franchir ça. J'espère que c'est une bonne idée. Je sais pas où nous allons. En tout cas, c'est particulièrement immonde. Mais qu'ont fait ces rats pour être à ce point-là immonde ? Ouais. C'est rien ça. Alors une échelle, ok. Vas-y, monte. Alors graphiquement, ce jeu est superbe. Et puis les enfants sont très attachants. Hugo est peut-être un petit peu tête en l'air, hein, c'est lié à la jeunesse.
Plus d'une fois, il a failli quand même nous faire arrêter ou prendre. Ok. Une pierre. Ok, nous sommes au taquet là. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Ici. Non, si je saute, je crois que nous cassons la jambe. Alors, on n'est pas au bon endroit, hein. Ça ne sert à rien, visiblement. Hop là. Oh là là, j'ai l'impression que ces enfants ne sont pas au bout de leur Suis-moi, peine. Hein. oui. Allez, Amicia. J'ai quand même un problème avec ces fermes abandonnées. Je m'attends à tout moment à avoir du danger. Oh, c'est quoi ça? Oh, t'es encore en vie? Je suis On peut désolée, prendre ça? tes amis. Ces sacs ont l'air très lourds. Des céréales avariées. Ça doit être pour le cochon. Ouais, ok. Est-ce qu'on peut rentrer là, non? Attendez, le cheval. Oui, on peut le... Superbe. Salut, toi. Qu'est-ce que tu fais dehors par une nuit pareille, hein? Magnifique cheval qui a sans doute perdu ses maîtres. En tout cas, je le crains très fort. Continuons notre exploration des recoins. Pourquoi veut-on que j'aille par là? Peut-être on ne veut pas du tout que j'aille là-bas, je ne sais pas. Je vais voir s'il y a des trous. Non. Il n'y a rien ici. Ah. Ah, ça clignote là-bas. Et puis là, on peut Amicia, passer. une fleur, Hugo. Oui, on va y aller, on va y aller. C'est pas trop le moment, tu sais. S'il te plaît. Bon, vas-y. C'est une encolie. Comme elle penche la tête, on dirait qu'elle est triste. Peut-être qu'elle se sentira moins seule avec nous. Oui, c'est pas bien de rester tout seul. Non. Allez, allons-y. Et elle a surtout peut-être des vertus médicinales qui peut-être nous serviront plus tard dans l'aventure. En tout cas, c'est du plus bel effet sur Amicia. Je sens une... Ah, il y a des choses là, attendez. C'est quoi ça? Ça c'est quoi? Hugo, tu vas rentrer et m'ouvrir la porte le plus vite possible. Sois très prudent, d'accord? Oui. C'est hey, bien. Cool. Bon, prudence les enfants, je ne sais pas ce qui se passe ici. Ah, oh, ça sent bizarre. De l'alcool peut-être, pur, ça vient des alambics. Peut-être des méchants. Ça, c'est un établi, c'est très intéressant. Ah, il y a quelque chose que nous pouvons faire. Sac de munitions, ça fait... Il y a quelqu'un. Maintenir pour Allons améliorer. Pas mal. Pour contenir jusqu'à 14 munitions de chaque type. Ah, ça c'est pas mal ça. J'espère que c'est valable pour les pierres également. Attendez, il y a quelqu'un qui tousse. J'espère que c'est pas un gros malabar tout vilain. Qu'est-ce qu'il y a ici? Je regarde. Si quelque chose clignote, pour l'instant pas. Voilà. Il y avait aussi une autre salle là-bas, je crois. Ah oui, c'était le même endroit, oui, d'accord. C'est quoi ça? Ah oui, c'est l'établi, oui, d'accord. Attendez, je vais quand même vérifier parce que tout se ressemble. Ça va où ça? C'est quoi ça? On en vient. Oh là là. On peut rien prendre ici. Non, c'est bien dommage.
Ok, donc les deux mènent ici. Hein. Ok. C'est bizarre, ces choses qui bougent autour là. Ok. Là, on ne peut rien faire. Allez, prudence les enfants, prudence. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Qu'est-ce qu'il y a là-haut? On va quand même aller au bout pour voir. Il y a une porte aussi. Je ne sais pas quelle porte prendre. Ah, il y a quelque chose. Ce dessin, ça représente quoi? En tout cas, c'est joli. Vitriol. Oula, mais ça, c'est corrosif. Rectifier. Tu découvriras la pierre cachée. Acide sulfurique utilisé pour modifier la matière. Ok. Ah, peut-être très intéressant. C'est quoi que j'ai vu? Ouais, il y a quelque chose là-haut. 3 pierres, 9 sur 10. Ah oui, avant je pouvais en avoir uniquement 6. Donc on dirait que j'ai augmenté ma capacité de stockage. Très très bien. Alors l'autre porte. Oui, je ne sais pas. On peut pas voir à travers ce qu'il y a. Hein. Non. Qui êtes-vous? Maître Laurentius? N'approchez pas, il est contagieux. Hugo, c'est toi. L'Inquisition est venue. Nous avons tout perdu. Je n'ai rien pu faire. J'ai... Je comprends. Ils sont venus le chercher. Il y a un mal. Un mal ancien. Dans le sang de ta famille. Dans ton sang. Ta mère et moi avons essayé de freiner sa progression. Mais depuis la brisure, le processus accélère. Tu dois le protéger, Amicia. Tu dois poursuivre les travaux de ta mère. Mais comment? Mes parents ont essayé et maintenant ils sont morts. Laisse-moi! Ils sont Hugo, ici. Les rats sont dangereux, mais désorganisés. Au contraire de l'Inquisition. Ils veulent le petit. Ils n'auront de cesse de le traquer. Nous devons disparaître. Il faut aller. Aller au. Château d'ombrage. Lucas, cours à la grange. Tu dois finir l'ignifère. Ne parlez plus. Je serai digne de vous. Je suis désolée pour vos parents. Mais vous n'êtes plus seul maintenant. On doit faire vite. Tu vas m'aider à préparer l'ignifère. Ça nous protégera des rats. Viens, Hugo. Je veux pas que tu restes là. Est-ce qu'on peut faire quelque chose encore? Qu'est-ce qu'on va faire? Rien. On ne peut rien récupérer là. C'est bien dommage. Hein. Il y a sans doute. Les rats sont passés. Je vais Oula. trouver un moyen de les occuper. Oula. Alors. La porte est là-bas. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, les jambons, bonne idée. Ah, oh, ils craignent la lumière. La lanterne. Bon, il faut y aller. Mince. Tirer sur la lanterne avec votre fronde pour la briser. Oui, donc je ne dois pas m'occuper du jambon alors. Pas grave. Ok,
on ose descendre? Non. Non. Il y a des rats partout. Attendez. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le deuxième jambon. Oui. Donne-moi la main. Oui, faites vite, les enfants, faites vite. Je vois. Alors ne t'éloigne pas. Ça va, vous deux? Ouf. Ça a été un long trajet. Voilà. Je me demandais où était le petit enfant. On ne peut pas passer là-bas. Ouais. Non. Non. Le chemin... La voie est close, comme dirait l'autre. Ok. Ah, tu veux qu'on aille là-bas, au secours. Non, qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh, ah! Ils sont revenus. Ils sont partout. Il faut qu'on aille au fond de la grange. On peut pas partir sans l'unifère. Comment on va faire? C'est quoi ce rat qui avance là? Oui, et on fait quoi? Alors, attendez, qu'est-ce qu'on a, là? Il nous faudrait de la viande. Morte ou vive. On parle du cochon, là? Salut, toi. Non. Mais c'est immonde, on va... Oui, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce cochon? Rien? Non. Ouais, mais... Alors, ça... On va se servir de ça. J'ai compris. Laisse-moi t'aider. On va lui donner à manger? On peut dire ça. Non, me dites pas qu'on va l'attirer vers les rats, mais c'est immonde. À table, petit cochon. Je pense qu'il va faire plutôt office de déjeuner. Oh non. Écoutez, c'est un conte assez cruel, hein. Les enfants ont pas mal de menaces, mais pour survivre, ils sont obligés de recourir à des méthodes assez cruelles. Alors attendez, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on va pas monter derrière. Alors, je vais fermer. Donc, on va fermer la porte, c'est ça? Ok. Ah, oui, c'est ça. Il y a une échelle sur le côté. Venez, allons-y. Hugo? Ok, t'es où, toi? Hop, Hugo, on te suit. Écoute, boude si tu veux, mais ne t'éloigne pas. Ok, on peut monter, hein. Bravo. Les choses se mettent en place. Allez, tu es où, Hugo? Voilà, hop. Monte. Ah oui, nous étions tout à l'heure sur cette plateforme. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Arrête de... Tu vas où? Les lumières. Oui. Hugo, ne regarde pas, s'il te plaît. Pourquoi? J'ai une idée que nous allons donner à manger au rat ce fameux cochon. Est-ce que je peux faire quelque chose? Les lumières où, là-bas? Oui. Non, Amicia, qu'est-ce que tu fais? Non... C'est d'une cruauté. Alors, sans lumière, j'imagine qu'ils vont se diriger vers le cochon. Oula. Attendez, je suis peut-être trop loin. Je vais me rapprocher. Je voudrais pas prendre le risque de me retrouver sans. Ah oui. Ok. Oh non. Bon, là, je peux pas rater la loupiote quand même. Ah! Il est vivant! On n'a pas le choix! Il faut éloigner les rats! C'est horrible! En fait, c'est comme les autres! Go! C'est une question de survie, mais. Alors maintenant, on peut descendre. Venez vite! Pas de problème! Tu m'étonnes! Oui, puis on va où là? Par ici! Ah, c'est toi qui nous montres le chemin! Eh, une trappe! Allez, Hugo! Hop! Hugo, tu peux nous donner la main? Parce...
Oui. Oui, c'est peut-être pas le moment de... Allez, Hugo, viens. Attention, vous marchez. Ça, c'est pas du simple matériel de docteur. Mon maître est aussi et avant un grand alchimiste. Tu t'appelles Amicia, c'est ça? Moi, Alcool. c'est Lucas. On va préparer l'inifère. Regarde si tu Inifère. trouves de l'alcool et du soufre. Alors, Vous pouvez alcool, en j'ai avoir trouvé. ici. Dis-moi quand c'est bon. D'accord. Alors, oh, il y a Alcool, des choses. soufre. Alcool, soufre. Je crois que j'ai tout. Démon. On va Tu quand sais même quoi? explorer. Un assemblage alchimique par dissolution des réactifs. Juste de l'alchimie. Ils ont Lucas, des rats. pourquoi mon mâle, c'est pas le même que Laurentius? Il a été mordu par un rat, pas toi. Et est-ce qu'il va mourir? On dirait qu'ils ont passé Et pas mal de temps ici. je vais tout faire pour que ça n'arrive pas. Attendez, il y a des ressources, je vais quand même le prendre. Je ne sais pas si c'est du vol ou... Ah oui, ça c'est la trappe, hein. De toute façon, pas remonter. Ah, là, il y a un passage. Ça mène où? Non, on ne veut pas que j'aille là. Alors, c'est l'heure de la potion, les amis, on dirait. Ok. Je crois que j'ai tout récupéré ce qu'il y avait. À moins que je puisse, oui, faire quelque chose là-bas. Leviter extractam sic. C'est du latin. Certes. C'est fou. Ça doit être ça qu'ils appellent un athanor. Athanor. Nous apprenons des termes un peu barbares. Quel monde étrange. C'est bon, Lucas. Bien. Maintenant, tu vas les mélanger. Fais-le doucement, c'est sans danger. D'accord. Désormais fabriqué de l'unifère, maintenez R1. Alors, faisons. Ah, utiliser pour sélectionner l'unifère, maintenant pour en fabriquer. Ah, il faut des ressources, voilà. Voilà, c'est... Oh non! Non! C'est coincé! Non. L'unifère, Amicia, c'est le moment. Oui. Vise les braises au centre de la pièce. D'accord. Oui, et puis... Ah oui. C'est moi qui ai fait ça? J'ai vraiment fait de l'alchimie? Oui. Ok. Ton mélange était parfait. On dirait que tu as hérité de ta mère. Ah, mais on peut pas passer là-bas. Je pourrais te montrer comment créer d'autres projectiles. Ça Oui. me serait utile. Volontiers. Merci. C'est le moment de faire ça? On doit retourner voir Laurentius. Amicia, tu devrais passer devant. Devant. Ok. Alors, on doit repartir là-haut. Oh non. Ne dites pas qu'il y a... Reculez. L'unifère, lance-le sur les braises. Pourvu que ça ne m'explose pas au visage. Ok. Allez, monte. Je suppose qu'on repasse par cette échelle, hein. Quand même vérifier, mais le passage, mais oh, mais c'est immonde. Oui, c'était où la sortie, les amis? Là-bas. Allez, hop. Oh là 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 là. Il y Non. en a beaucoup. Laurentius, je vais dégager un chemin. Oui, alors l'inifère, ça tombe bien, donc. J'espère que j'en... Ah oui, j'en ai quatre encore. Je vais quand même me mettre dessus. Non, j'étais pas au bon endroit, c'est du gaspillage. Voilà. Ah, mais oui, mon curseur n'était pas jaune. Voilà, maintenant on peut Venez, descendre. par ici. D'accord. Allez. Alors, pour l'instant, ça se passe Allez. assez bien. Là. Cinématique.
Laisse-moi. Hugo, écoute. Pour tout à l'heure, je voulais te dire... Je suis vraiment... Oh non! Amicia! Les rats! Peu de lumière dans la maison. Non, non! Hé, hey, Lucas, attends! Le temps... Il est fou! Je dois partir, maintenant! Maître! Hé, arrête! On a besoin de toi! Regardez! Le cheval! C'est le moment! Oui! Hugo! Lucas! Ouais! On a besoin de ce cheval! Ils sont partout! Lucas! Je suis là! Il va où ce chemin? Ah non! Oui, malin. Courez, pauvre fou. Allez vite. Et un nouveau chapitre. Alors effectivement, ce jeu porte quand même bien son nom, mais innocence, on pourrait penser, c'est la fin de l'innocence pour des enfants qui voulaient peut-être vivre une vie sans problème. Ça ne va pas être comme cela. Malheureusement, ils vont devoir affronter des dangers, mûrir plus tôt que prévu et surtout se retrouver seuls au monde, sans beaucoup d'adultes autour d'eux pour les aider. Alors, chapitre 5, le butin des corbeaux. Lucas ? Oui ? C'est quoi cette chose ? Dans son sang ? Il y a une vieille histoire. Elle parle de la prima macula. Les alchimistes appellent ça la première corruption. Et elle voyage en silence dans le sang de certaines familles. Mais quelque chose s'est produit. La brisure. Et la macula s'est réveillée. Dans le sang d'Hugo. Mais... qu'est-ce que ça va lui faire ? La macula ignore le bien et le mal. Elle évolue avec son porteur. Pour changer les choses. Le monde. Tu sais, ta mère et Laurentius essayaient d'aider ton frère. Mais ils ont échoué. Non. Je pense qu'ils ont juste manqué de temps. C'est ici. Hugo, réveille-toi. Allez, Hugo, on va marcher.
ça va te réchauffer. En suivant la Duc, on devrait arriver au château d'Ombrage avant la nuit. C'est quoi ce bruit? C'est rien. C'est juste des grenouilles, Hugo. Ah, tu voulais en voir. Il a l'air d'aller bien. Oui. Attendez. Croisons les doigts. C'est quoi ça? Des non. Grenouilles, il y en a partout. On ne peut pas les récolter, hein. J'avais espoir, mais... Attendez, je fais les recoins, je sais que... C'est pas bien, mais... Je m'attends toujours à récolter des choses utiles. Ces plantes ne ça servent va, à rien. T'as pas froid? Un peu, si. Ça a pas l'air de gêner Hugo. Au moins, oui. Il se réchauffe. Oui, mais... Là, il s'éloigne trop. Oui, Hugo, reste un petit peu groupirte, s'il te plaît. Allez. Prudence, jeune homme, prudence. Ah, attendez, je vais faire une contemplation Hugo, de ce paysage. Où est-ce que tu vas? Il y a peut-être des vilains. Prudence, jeune homme. Hugo. Ça, ce sont les piles du pont. Là, on ne peut rien faire. Ok. Oula. Pierre. Est-ce un signe que nous allons au-devant de difficultés? Regardez, je suis un chevalier. Un bouclier anglais. Où as-tu trouvé ça? Là-bas, c'était par terre. Repose ça. C'est pas pour les enfants. Non, t'es pas drôle. Allez, avance. Ah, mais reste avec tu nous. Tu sens cette odeur? Oh, oui, ça sent mauvais. Oui, c'est horrible. Oh, Hugo, reste par là, bon sang. Quand même être un peu plus prudent que cela. Hein. Attendez, il y a des recoins là, je vais quand même explorer. Hey, vous faites quoi? On explore les recoins. On est où là? Là, on n'a pas de carte, hein. On ne sait pas si ça apporte quelque chose ou pas. Ah, un coffre! Ah ah ah, les recoins. Ok, je ne sais pas où sommes-nous et où allons-nous? Ah, très bien. Magnifique. Tu es avec nous maintenant, Hugo. Où devons-nous aller? Je ne sais pas. C'est bizarre. Cachez-vous. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça sent vraiment mauvais. Du soufre. Ok, là, je ne pense pas que nous puissions y aller. Enfin, allons voir quand même. Non. On veut que nous allions par là-bas. Prudence. Alicia, Lucas, venez voir, vite! Oui, tu es où, jeune homme? Ah. Mon Dieu. Ils sont tous morts? On ne peut pas continuer. Amicia, il faut qu'on suive la Duc. Traverser le champ de bataille. Ok. Là, on ne peut pas passer. Ok. Alors, nous allons quand même devoir faire cela. Les amis, c'est peut-être un signe, je dois aller souper. Je vais vous laisser. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo. Il y en aura une prochainement, peut-être encore ce soir. En tout cas, portez-vous bien, on va réfléchir à des stratégies pour traverser ce champ de bataille, et je vous dis à tout bientôt d'Helvetus, merci encore.